Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc je reprends ma petite partie avec les états papo. Où j'en étais? Je sais pas, comme d'hab. Si, j'étais en train d'attendre. Ouais, même pas. Cette bande de connards d'Ottomans, ils ont réussi à se faire péter la rondelle. Bien sûr, tu peux passer. Quelle bande de nazes. Mais quelle bande de nazes. Voilà, là on est en train de se développer histoire de gagner encore plus de thunes. Parce qu'on en gagne pas assez. Ici on a quoi? 89 000, bon, tranquille. On va sortir les mercenaires, on fusionne. On refusionne ça, ok. On va faire un peu de diplomatic power. On en est où là? Les armées sont bonnes, les flottes doivent être bonnes aussi. Vite fait. 24 chips. Ah. Géorgie. La Géorgie. Et on va regarder un truc. Parce que si je peux aller mettre sur la gueule. Si l'Ottoman est en guerre seul contre la Géorgie. Et donc, comme là, vous voyez, on voit qu'il a pas appelé ses potes, on pourrait peut-être aller lui mettre sur la gueule. Et aller avec Gênes, la Géorgie, diplomatie! J'ai pas de diplomate. On rappelle lui. Et on va aller mettre sur la gueule de l'Ottoman. Tant qu'à faire, ça nous occuper. Ok. On lui a proposé de rejoindre son alliance. Pourquoi ça? Que, bah, en fait, en étant dans son alliance, l'avantage, c'est qu'on va aller les défoncer. Ma flotte, on va l'envoyer 17 avril. Est-ce qu'ils arrivent là quand? 28 avril. Paris. 29 avril. Voilà. Ah! Ah! Regarde vite fait. Est-ce que l'Ottoman a appelé ses potes? Non, bon, on va essayer de joindre. On va dire, on rejoint un taillot, allons défausser l'Ottoman. Non, l'Autriche. On va attendre que le diplomate revienne. Voilà, là, si on peut aller mettre sur la gueule de l'Ottoman. Après tout. Ok, l'Autriche. Est-ce que tu me laisserais traverser? Non, Venise. Non plus. Merde, ça c'est un tout petit peu plus chiant. On va dégager le navire de transport et on va aller raser sa putain de flotte. Après, de toute façon, je vous dirais. 28 mai. Et juin. Puis, on va l'envoyer en Lucania. En Lucania, il arrive le 15 juin. On va aller raser sa putain de flotte. On a rasé la flotte tunisienne, voyons. Et ils veulent pas me laisser passer, c'est con, fait chier. L'Autriche. Jure, tu veux pas que je passe pour les mettre sur la gueule? Ah, merci. Bah, lui, on va l'envoyer là-bas. Et les 23, on va l'envoyer à Odenbourg. Voilà. On perd du prestige, de la dévotion, le prestige, on va le regagner, donc on va perdre le prestige. Fixez qu'il est pas content. Non, bon, on va les défoncer. Mes culturelles conversions, Gênes, Livland, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai mes troupes là-bas aussi, en Afrique. Aïe! Elles vont se faire casser le cul. Poto. Oui, bon, ouf. Ouais, bah c'est bon, ils vont là-bas. Hop. Là, on va prendre tout son territoire qui est là.
quand même là-bas, là-bas. La papa occupe Zagreb, bonne nouvelle. La Grande-Bretagne a décidé de défoncer les autres là-bas. Les stades papaux occupent Lika. Ouais, bonne nouvelle. Eux, la flotte, on va l'envoyer là-bas. Et retour ici. Lika. Ah. On va aller là-bas. Voilà, là on va défoncer l'autre abruti, là. Papa occupe Travik, ok, Bosnie. Bon. Viens là-bas quand? 28 septembre, ils vont aller là-bas. Puis Travik, on va le renvoyer à Lika. Open. Oh là là. Restez là. On les emmène là-bas. On va s'occuper de Raguse. Ensuite, eux. Donc à faire, on va les foutre là histoire de raser le reste de la flotte qu'il y a là-bas. Ouais, ok. Hop. Les 24 qu'on débarque à Raguse. Le siège de CGDIN est terminé, bonne nouvelle. Ah. Ok, là j'avance tranquillement. Les étapes papaux occupent Sakiz, excellente nouvelle. Donc là on va raser cette putain de flotte. Ah non. Oh là là. L'enculé de Commonwealth se laisse passer. Ah, l'enculé de Saras maudite, comme dirait l'autre. La flotte de transport. On va l'envoyer là-bas. Le Nablus est terminé. Deux coups de chèque. Le Commonwealth, qui c'est qui a le... On va aller à Trubin. Mec. Et lui, là-bas. Et non, pas moi. Mes vassaux, on va leur donner l'ordre de... Comme vous le sentez, les gars. Vous allez me les défoncer. Et... Le 13 décembre. Ouais. Leur journée, leur mois. Ok. Eux. On va les embarquer, on va les débarquer à des gros plots, là, ce sera plus rapide. Voilà, comme ça, on prend l'armée, on l'envoie là-bas. On va laisser faire ça. J'occupe Bizoki. Ok. Trebin, qui y a dessus? Il y a ma pomme. Ah non, il y a mes vassaux. Bah, c'est bien, les gars. Trebin, on a des... Ouais, on s'en fout. mille hommes quand même, les knights et les lords teutoniques. Mais un troupe en face. Naxaker, voilà, comme ça je rase sa flotte. C'est ça que je voulais, voilà.
embarque. Excusez-moi. Les deux flottes, on les fusionne. On a pris ces deux îles à la con. 60 000 hommes là-bas. Le mec, il y a la moitié de son armée qui est chez moi en train de me casser les couilles. Limite, on va... La Tunisie. La Tunisie, c'est quoi? C'est un vassal ou c'est... Un vassal, mais il se fait défoncer. Donc, je suis là. Ben, eux, on va pas s'emmerder. Hein. On va aller débarquer à Tiralala. Tiralala. De Ragus est terminé, ça c'est une putain de bonne nouvelle. On va aller se mettre à Yania. Ah non, on peut pas bouger, bon, on va piller. Ah oui, il y a les forts autour qui bloquent. Bora est tombé sous contrôle de moi-même. On va aller là-bas. J'ai très bien terminé. Ok, hop, hop, hop. Le but, lui, c'est qu'il s'effondre. On y va, on défonce, après on retourne chez lui. Ibazan et Trebin, donc lui il est là. Trebin, on va le Corfou. L'armée est arrivée là-bas. Ok, la flotte je la mets là. L'Autriche. Voilà, là on est en train de prendre les différents trucs. 43 000 hommes, les bourrins. Ah. Voilà, donc lui, bon, on va le laisser là un peu qu'il se régénère. Le siège de Dalmatie est terminé. Ok. Donc là, Dalmatie, il va aller se prendre Biga. Esri, c'est où c'est là? On va aller à Udo, va la machine là-bas. Yania, donc deux Yania. On va aller à Kosali. Voilà, épique découpage de sa flotte. Est-ce que j'ai besoin de reposer des navires? Il y a le bouton. Obsolète. Obsolète. Oui, on va le couper, on va couper lui. Et ici, où il est... Excusez-moi. Et le bouton déjà pour les réparer. Un bouton pour le... Bon, on s'en fout. On va aller se mettre là, on va raser sa flotte. D'accord, il n'y a plus que 100 navires. Raser sa flotte. Hop, hop, hop. Un Udafingar, un Kosateli, un Bolou, un Sarouan, un Kutaya. Un Hamid. Un... L'autre là, ils ont envoyé ses 60 000 hommes. Ouais, c'est bien, ça sent bien là. Udaingar, on va aller donc cliquer. On va fider mes. Comment ils s'appellent là, mes pécores? On va les fider comme des porcs. Ah, Boulou, là, on rase la flotte. Arwan. Voilà, Konya.
Ils vont où eux? Comment ils vont? Castapo, ok, ici. Ah, non. Close. Hyper. Never. Hold, c'est quoi? On va dégager ce qui est pas. Taquet. Ce qui est pas au taquet, on les repose. Hop. Là, c'est bon. On les fout là. Arrive quand? Putain, il leur faut 5 jours pour aller là. Ils vont à la nage ou quoi? Les navires obsolètes. Voilà, c'est les 3, ça j'en veux pas de ces navires. Hop, ok. Non, c'est ta papo qui défonce tout. Non, non, c'est juste que ça peut faire chier les... Non, non, c'est pas que je te défends, c'est juste que je peux faire chier l'ottoman, donc... continue, quoi. Ici. Cassant, on remet. D'avoir plein de monde. Là, on va les défoncer quand il revient. Hop. Il va où? Tu vas t'arrêter là. Toi, tu vas aller à Kanik. L'armée automne. L'arme ottomane qui va venir. Pas trop tout de cogner. Boum. Allez, au revoir la flotte ottomane. Navire obsolète, c'est encore un navire de bord de merde. Bande. Là on met là-bas. Ok, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à regrouper nos forces au cas où pour être prêt à mettre sur la gueule de l'Otabouti. Yannick Karaman. Là-bas, lui on va l'emmener là-bas. Pas où lui? Ah, Urmia. Ah, faut faire gaffe parce qu'il y a son armée qui est dans le coin. Où je puisse en fait me replier et défendre mes troupes. La papa occupe Kayseri. Ok, bonne nouvelle, on va donc se mettre à Marache. Ouh. Sinjar, bah, il va par là-bas. Fais-toi plaisir si tu veux. Lui on va aller là-bas, et avec lui on va mettre mon leader. Et... Oh
l'envoyer ici et on va arrêter l'épisode là. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous plaît toujours. La partie est toujours intéressante, j'espère. Donc voilà, peut-être bientôt la fin. Bon bah voilà, allez, sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao les gens.